Gann pour donner ce deuxième corner consécutif. Il y a eu une faute. Alors c'est pénalty ça. C'est pénalty. Eh bien oui, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Il y a eu, comme d'habitude, j'ai envie de dire, eh bien le balai des duels et des marquages dans les rectangles au niveau des coups de coin. Eh bien cette fois-ci, regardez, il avait l'œil dessus, évidemment, la faute de Diallo, apparemment, sur justement sur Luisin. Yagan face à Rosin, ouais, c'est parfait, avec beaucoup de sang-froid, contre-pied parfait, et le cercle donc qui mène au score après 19 minutes dans ce match. C'est bien fait de la part de Laurent pour Keita. Keita qui va parvenir peut-être à déborder. Ah non, il avait tenté le grand pont là sur son adversaire direct. Ballon toujours pour Tubis. Keita. Ah le contre au dernier moment. Le but va tomber. Zenke. Eh ouais, il était temps. Eh bien bon, là, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises hein, là du côté de Tubis. Mais voilà, c'est fait. Un but partout. 62e minute de jeu. Laurent Zenke. Un peu plus à l'intérieur du jeu. Ouais, c'est bien fait. Il va armer une frappe, la Zenke, elle était belle, le deuxième ballon, oui, le fait, c'est parfait, 75e, ça fait 2-1 désormais. Eh bien, quel changement payant de la part de Régis Bouard. Kevin le fait, 5e but pour lui cette saison, quelle efficacité chez le garçon. Hein. Eh bien voilà, Tubis qui passe devant. Yes. Bien servi là. La déviation, est-ce qu'il y a hors-jeu? Eh bien non, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Ça fait 3-1 à 5 minutes de la fin. 3 buts à 1. But inscrit par Alan Pires. Qui était monté là-bas aux avant-postes. Mais encore une fois, une excellente combinaison. Avec Zenke. L'un des hommes de la rencontre, Simon Zenke. Ça fait donc 3-1. C'est Betch là qui s'est proposé, je pense. La tête de Zenke. Ouais, le contre-pied, ça va dedans. Ça va dedans. Il est récompensé de sa prestation, franchement, Simon Zenke. Ça fait 4 buts à 1. Eh bien, qui aurait dit en première période, eh bien, que ce match allait tourner dans ce sens-ci.